Salut et bienvenue dans notre Minute Week-end. Je vous propose un week-end de gonflé, car ce week-end marque les derniers jours d'un parcours à découvrir à Clermont-Ferrand sur les 120 ans du célèbre bibendum Michelin. Ce bibendum est né en 1898 dans une pile de pneus bien gonflés. Il est né surtout de l'imagination d'André et Édouard Michelin et du dessinateur Marius Rossillon alias Au Galop. Alors si vous n'êtes pas ce week-end dans la capitale auvergnate, pas de souci. Dans sa configuration habituelle et néanmoins passionnante, le musée de l'aventure Michelin est ouvert toute l'année. C'est un musée absolument splendide, magique on pourrait dire, qui retrace l'histoire d'une entreprise, des évolutions techniques du pneu, des machines parfois infernales qui les ont testées et les testent toujours. C'est l'histoire d'une grande aventure qui croise sans cesse l'histoire de France, celle de la publicité, de l'automobile, l'histoire du voyage et des transports, et bien sûr, l'histoire de la gastronomie avec ses célèbres guides rouges. Voilà donc une succulente balade dans l'une des plus grandes sagas industrielles du monde.